Wolves asleep in midst the trees. Bats all a-swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hacks and rays. Salut à tous et bienvenue dans The Witcher en compagnie de notre chaman Monsieur Seguin qui a perdu sa miquette. Hein. Et du coup nous devons la retrouver. Bah c'est parti, hein, on y va tout de suite. Pas besoin de faire une intro de 36 000 minutes. On peut y aller tout de suite. Alors là, faudrait peut-être utiliser l'essence de sorceleur, c'est mieux. Là. Ah, il y a quelque chose par là-bas. Examiner. Ici, je crois. Non, sans blague, il y a des traces de pas. On voit très clairement qu'elle est passée par ici. Et du coup... oui. Très bien, c'est par là. Hein. Elle a fait le tour de l'arbre. Je sais pas pourquoi. Hop là. Ouch. Non, tu mourras pas comme t'as eu Ciri. Enfin, Ciri, c'était Flash, mais... Elle est passée par où? Elle a fait le tour de l'arbre et après ça s'arrête là. Un autre indice. Elle est montée dans l'arbre. Tu rigoles ou quoi? Non, elle est passée par là-bas. Là-bas. Là, je vois. Mais c'est trop approximatif, c'est pas. C'est quoi qu'elle, comment elle a fait ça? Je vois pas du tout où c'est qu'elle est allée. Ah mais en fait je suis con, on suit le GPS et puis c'est tout. Donc du coup il y a des loups, hein. Évidemment la chèvre elle a esquivé les loups. Voilà. On s'en fout des loups. Par là-bas. Ah j'entends la chèvre. Mais... C'est elle là-bas? Ou elle est là-bas? What? Il écrit qu'elle est là. Je t'entends, je t'entends. Très bien. Examinons les pas ici. Bien, 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 bien quoi? Bien, bien ou bien, bien? Non, bon, c'est elle là-bas. Hein. Là, je vois ses pas. Examinez. Un autre indice. Non, mais ok, en fait, il va répéter un autre indice, c'est bien tout le temps, quoi. Ben... C'est là-bas, je le sens. Je sens que c'est elle là-bas. Allons-y. Ah, me voilà. Ah, princesse. Hop, elle a une barre de vie. C'est-à-dire qu'il va falloir la protéger. Biquette, je veux dire, princesse. Allez, viens, Biquette. Avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle soit capricieuse. Bah ouais, tu m'étonnes. Du coup, bon, je vois qu'elle me suit sur un minimap. Sonnons la clarine. Là, là. Viens. Je suis là. Allons voir le chaman. Oh, très chiant de cette biquette. C'est bon, j'ai tué les loups sur le chemin. Il faut que j'agite cette clarine pour que tu suives. Allez, viens, bon sang. Oui, me casse pas les couilles. Allez, viens. Ling, ling, ling. Relou, cette chèvre. Là. C'est moi ou il y a un meuble là-bas? Oh, mais elle est relou. Où tu vas? Va pas par là-bas. Allez. Eh oh. Là. Attention, un ours. Wow. Il est gros cet ours. Oh, je le démonte. Allez, allez, meurs, meurs, voilà. Biquette, elle a pas perdu de vie, c'est très bien. Non, la musique, elle commence trop tard là. La rime pour que tu suives. Oui, allez, viens, suis-moi. Allez. On va y aller en marchant. Et en agitant la clarinette tout le long. Cling, cling, cling. Bien relou, cette chèvre. Elle me suit ou pas? Alors? Et alors, Biquette? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas mis le chrono, si. Voilà, allez, suis-moi. On est presque. Elle me suit. Mais...
Oui, oui, suis-moi. Marche un tout petit peu plus vite et ça serait cool. Fais non, l'option de sûreté, hein. Mais je parie qu'on pourrait devenir potes tous les deux. Non, non, je crois pas, non. Tu possèdes cette qualité essentielle que tout ablette se doit d'avoir. Tu parles peu. Parle beaucoup, moi, je trouve, hein. Bé. Voilà. Tiens, elle est là, ta chèvre, là, ta princesse. Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chaman. Ouais, et elle s'éloigne. Ah non. Ouais, un ours. Tiens, ta biquette, je l'ai ramenée. Une chèvre à moi. Gentille, douce biquette. Non, ne me fais pas du bien par derrière. Ah, mais lâche-la. C'est le mec qui lui arrache la gueule, carrément. Allez. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna est appelle les esprits, maintenant. Elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Ben j'espère bien, ouais. Du sang. Il faut du sang d'une créature vivante. Je sais qui saignait. Tu vas mourir. Non ? Très bien. Je reviens. Putain ! J'ai tué un ours derrière, je peux pas le prendre ? T'as un cochon sur la table en plus. Ah mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a tripote ? Je connais. Non, il a trait, hein, évidemment. Ça ira. Bon, ça va que j'ai pas eu besoin de le faire, moi. Wow, le mec c'est un barbare quoi. Tu m'étonnes que sa maison elle soit en bordel comme ça. Ok, as vitum aeternam solum. Et tout ça sans se salir les mains. What? Elles ne sont pas là, elles sont parties. Du sang, je vois du sang. De qui? Pas Anna, pas Tamara, celui d'un enfant. Très bien, qu'est-ce qu'on s'en fout? Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. What? Ah, elle est enceinte, non? Vous parliez d'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Ouais, elle est enceinte, quoi. Elle est enceinte. Oui. Ah ah, je suis bon, hein. Et elle a fait une fausse couche. Ah merde. Bah, il est mort, alors. Pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. Voilà, on est d'accord, elles sont parties. Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux, presque aveugle. Mais princesse lui a léché la main. Et alors ? Je vois pas le rapport. C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Et ceux qui ont la clarinette. Cling, cling, cling. Si elle a fait une fausse couche, il est mort, non ? Jeté dans une tombe. Oh, très bien. Sans rite. Ouais. Il s'éveilla. Il a ah, c'est un fantôme maintenant. De vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage. Attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. J'aime bien. Et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Donc c'est pas un fantôme s'il a du sang. Hein. Où se trouve le couvain ? Que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites. Elle est où cette tombe ? Le baron doit savoir où est cette tombe. Oh merde. Faut revoir le baron du coup. Lisez le bestiaire pour en savoir plus sur le couvain. Alors,
Lire le bestiaire. C'est pas ça. Couvain. Voilà. Oh, il est mignon. Mais il est mignon, le bébé. Dire qu'un couvain est moche, c'est comme dire que c'est que la merde n'a pas très bon goût. Ce n'est pas totalement faux, mais ça reste assez loin de la vérité. Très bien, je suis content. Ouais, comment je fais pour descendre? Voilà, comme ça. Bon, voilà, si vous avez... il est possible de lever la malédiction qui pèse sur le couvain. Il devient alors un sommeillard, esprit protecteur. Bon, si vous voulez lire, hein, vous lisez, vous appuyez sur pause, et puis voilà. Anas Renner, on s'en fout. Et du coup, il faut retourner voir l'autre. Carte du monde. On va aller là pour se téléporter, ça ira un petit peu plus vite. Allez, Ablette. Mais non, je vais pas te remplacer par la petite biquette princesse. Ça va, c'était pour rigoler que j'ai dit ça. Donc c'est par là-bas, très bien. Allons-y, dépêchons-nous. S'en fout de tes lapins de merde. Allez, cours. Cours, Ablette. C'est par là. La foudre a frappé. Ah ouais, mais du coup, j'y vais à pied, je suis con. La foudre a frappé, merde. Pas bon, ça. C'est pour ça que c'est en feu, là. J'arrive pas à viser. Ah ouais, quand même. Ça fait pas mal de dégâts. Hein. Bon, ça va que c'était relativement rapide. Non, mais c'est une barrière. Tu la contournes, c'est tout. Calme-toi, Blette. Ah, princesse! Elle est où, princesse? Bon, vas-y, on va descendre parce que c'est relou. Mais non, princesse, elle est retournée. C'est bon, arrêtez de faire sonner la cloche. Wouh! Ça brûle. Les mecs, ils sont tellement pertinents. C'est où que ça brûle? C'est par là. Hein. Le vieux poivreau continue à délirer. Ouais. Quoi, c'est le vieux poivre? Ah non, c'est le baron qui a mis le feu? Oswin, où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Ouais, hein? Dans les flammes, quoi. Au feu, vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Oh merde! Le frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Les chevaux avec. Allez, je vais essayer, ça va. Grouillez-vous, ça urge. Oui, bah calme-toi, je fais ce que je peux. Sauver le palefrenier et les chevaux piégés. Parlez au baron. Bon, on va aller par là-bas. Je suppose que... Ouais, c'est bon ça. Ok, c'est bloqué par là. J'ai un souffle. Est-ce que je peux éteindre le feu déjà? Non, je peux pas éteindre le feu. Là, à l'échelle. Un coffre! Si le mec le temps presse, il prend tout ce qu'il y a dans le coffre. Vite, dégage! Oh. Par où il faut que je passe? Aïe, je prends feu, merde. Ah, ça fait mal en plus. Là, par là. Je suis en train de mourir là. Tenez bon, j'arrive. Je vais mourir. Elles sont où les portes? Ah! Pousse-toi! Où sont les portes? Je vais mourir! Je suis en train de perdre des vies là, je suis en train de mourir. Là! Ah, je suis mort. Re tout le monde! Bon, du coup. Oswin! Où est Oswin? Allez,
Oswin, oui, on s'en fout. On l'a vu, on l'a tous vu. Très bien, il y a le feu. Je vais essayer. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Ouais, bah calme-toi. Allez, on y va. Oui, donc il faut que je trouve l'entrée. Je sais pas où c'était, il faut que je me dépêche. Allez, on y va, on se dépêche. Je prends quand même tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que bon. Là, c'est par là. Là, c'est par là. Par ici. Ouais. Je suis coincé. Trouvons. C'est par où? C'est là l'entrée? Non, c'est pas là l'entrée. Elle est où l'entrée? Elle est là l'entrée. Bah, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Est-ce que. On va faire demi-tour, on va sortir. Ah non, l'entrée elle était là-bas. Vite, dépêchons-nous! Ah, vite! Ah, c'est bon. Est-ce que je peux l'ouvrir de là? Là, oui, comme ça. Et il fallait faire demi-tour. En fait, j'avais même pas besoin de rentrer. Merde. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? On a un héros parmi nous. Ouais, et un ivrogne aussi. Je suis prêt à passer l'éponge sur la correction infligée à ces crétins à la croisée. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée. Ah ah! Que vous insinuez? Que tu as frappé ta femme. Idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Et il veut se battre? Aïe aïe! Oh! Calme-toi! Aïe 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 aïe! Attends! Mais attends! Attends! Tricheur! L'autre, il veut se défendre son baron, non? Il est où? Je vois pas le baron. Je tape dans le vent depuis tout à l'heure. Tiens! Pastos! Tiens! Puis! Ouh! Aïe, aïe! Aïe! Tiens! Ah, mais il est fort, l'enfoiré! Oh, bourré, il est fort, hein! Ah mais ça commence direct, ok, très bien. Hein, loin de vous. Tiens. Tiens, mange ça. Putain, mais c'est très dur à. Faut. Voilà, là, maintenant. Il est fort, hein, le baron, mine de rien. Là, maintenant. Hop. Là, maintenant. Voilà. Fallait cerner le timing. Tiens, dans l'eau. Alors, c'est bon, la boisson des chevaux? Ah, voilà. T'as compris? Il faut qu'on parle. T'es moins saoul, là, ou pas? Maintenant, il a plus de respiration, donc il veut plus parler. Très bien. T'as mouvementé cet épisode, hein. Asseyez-vous. Ouais, le mec, il donne des ordres au baron. Non, il sait pas si. Je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Ouais, mais sur Anna, oui. C'est une autre histoire. Ah. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Comme chaque femme, hein. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé. Oui, je le savais. Et en même temps, voilà. Me faire perdre mon temps. Ben, si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Ouah, le coquard que je lui ai mis. Alors que moi, aucune égratignure. Hein. Je dois l'admettre,
J'ai eu une piètre opinion de vous. Pas parce que vous ne les contrôliez plus, mais parce que vous les avez chassés. Quoi ? À vous ! Ne faites pas l'idiot. Vous ne leur avez pas laissé le choix. Anna et moi, c'était pas comme ça paraissait. Ouais, comme chaque couple, hein, on s'en fout. Je suis pas intéressé. Votre déballage ne m'intéresse pas. Je suis censé retrouver votre famille. Et je le ferai. Avec l'aide du bébé mort. De toute Comment façon, il faut que je la retrouve. Comment ? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi ? Un monstre. Je veux savoir quand une même. Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais... Et du coup, elle va s'en prendre à toi. Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment ? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte de... d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen ? Le tuer. Ce regard ? Sang. Le chaman fera le reste. Ne... Ah. Ne tue pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction. Qu'elle repose en paix. J'ai tellement envie de le tuer. Où t'as enterré le fœtus ? Vas-y, dis-moi. Cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Puis une seuil sur ta tombe. Si on met le couvain en sommeillard, hein, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Très bien. Allez, allons-y. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. À minuit. Très bien. Attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens. Ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Oh ! Et tâchez de dessouler. Ça me rappelle des films, ça. Tu dois amener une pelle pour creuser la tombe. Non, pour creuser la tienne de tombe. Besoin, mais pas pour ça. Oh là là. Quelques heures plus tard. Ah ben, il me laisse même pas le choix d'attendre minuit ou pas. C'est un peu plus loin. De toute façon. Suivez-moi. Eh ben très bien, on va s'arrêter ici. Je vais pas le suivre maintenant, on verra ça au prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. La prochaine fois, nous irons tuer ou sauver ce couvain, hein, mais très franchement, j'ai envie de le tuer, moi. Allez, merci à tous, bisous, bye bye.